Oriane Deschamps, bonjour, bonjour et bienvenue au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup. Alors vous êtes ici, c'est la première fois je crois hein, que vous à Saint-Jean-de-Luz, oui. Voilà, et vous êtes ici pour présenter en avant-première, presque mondiale, puisque en fait le film n'a pas encore été vu par le public, le film de Brillantissime qui est le film de votre maman. Oui. C'est ça? C'est ça, son premier long métrage qu'elle réalise. Alors votre maman c'est Michèle Larocque, il faut oui, quand même le dire, parce que vous ne portez pas le même nom qu'elle. Non. Voilà. Alors, vous n'avez pas tellement fait de cinéma finalement, vous êtes une jeune non, comédienne, mais vous avez eu quelques expériences, mais pas plus que ça. Non, c'est mon premier vrai rôle, oui. Voilà, alors, quand une maman demande à sa fille de tenir un rôle, le rôle de sa fille dans un film, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille? Bah, pour moi, c'était évident que j'avais envie de travailler avec ma mère, et comme c'était un projet qui lui tenait vraiment à cœur, parce que ça a été toute une aventure en amont du financement du public. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qu'elle avait jouée il y a, je crois, 7 ans au Palais Royal, et qu'elle avait adaptée. Et donc, déjà, lors de la pièce, j'avais enregistré des voix off pour la fille de la pièce. Et donc, voilà, pour moi, c'était normal. Oui, j'appréhendais un peu de travailler avec ma mère, mais on est tellement complices et proches que ça allait être que de la rigolade. Alors, il y avait d'une part l'envie de travailler avec votre maman, mais d'autre part, il y a quand même le rôle. Voilà. Alors, parlez-moi du plaisir que vous avez eu à interpréter ce rôle et en quoi il vous a intéressé, en dehors du fait que vous travailliez avec maman. Le rôle, c'est pas forcément le rôle qui m'a plus attirée, c'était vraiment le fait de jouer la fille de ma mère et qu'on puisse, que ça soit super sincère en fait. Et c'est vrai, c'est les moments de tendresse qu'il y a, même avec Françoise Fabian qui joue ma grand-mère, c'est des vrais moments de vie que je peux avoir avec ma mère et ma grand-mère Doina, qui est d'ailleurs dans le film aussi. Mais oui, c'était vraiment juste pour l'aventure que pour le rôle. C'est un film, alors il y a d'autres comédiens, on y reviendra, mais c'est un film quand même assez joli puisque votre maman a demandé à sa maman de faire un petit rôle, oui, vous de jouer sa fille, et il y a le chien. Et il y a le chien, oui. Alors là, donc c'était, vous étiez... En famille, vraiment, on avait l'impression d'être à la maison, c'était énorme. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris? Son film est tiré d'une pièce de théâtre, mais... Qu'est-ce qui vous a surprise quand vous avez vu le film? C'est le ton du film? Oui, je le trouve très poétique en fait. Je trouve qu'il y a une légèreté et puis très sincère. Et moi, je connais ma mère par cœur et c'est vraiment, le film est complètement décalé comme elle, et il y a une folie douce et c'est ça que j'adore dans ce film. Et que même le personnage de Gérard Darmon, je trouve que... On ne sait pas trop, ça pourrait être un peu un ange, il est là, mais est-ce qu'il existe vraiment? Moi, c'est ça c'est qui me plaît, c'est un peu féerique. Et il y a Kadmerad qui est dans un rôle de psy d'une douceur, enfin, on l'a jamais vu comme ça non, au cinéma. C'est vrai. Il est, pour moi, c'est un de mes rôles, enfin, personnages préférés dans le film. Il faut dire qu'il joue un rôle de psy un peu hurluberlu, totalement amoureux de votre maman. Complètement. Donc, et puis ils font quoi quand ils la voient, il est tout, j'adore. Et puis il y a Françoise Fabian. Très dure, très, qui est une mère tyrannique avec ma mère et qui est géniale. Puis belle comme tout quoi, j'adore cette femme. Est-ce que vous avez quand même, le premier jour du tournage, est-ce que vous avez eu le trac? Ah complètement. la première scène que j'ai faite, c'est d'ailleurs celle que j'aime le moins parce que je suis... très crispé. C'était pas forcément d'avoir toute cette équipe autour, c'était, je sais pas, c'était beaucoup. Et puis c'était une des plus longues scènes que j'ai dans le film, et donc forcément c'était un peu trop pour la première. Mais ma mère a su me mettre à l'aise. Et non, mais ça s'est très bien passé. Et puis après, au fur et à mesure, tout s'est mis en ordre. Brillantissime va être présenté le dernier jour du festival, film de clôture. Pour la clôture. Est-ce que déjà vous avez le cœur qui bat? Vous avez peur ou... Non, j'ai plutôt hâte en fait de voir comment le public va réagir et comment,
si on va comprendre le ton, justement, ce que vous disiez, le ton et le décalage du film. Et... Parce que c'est une comédie romantique, mais pas que, je trouve, en fait. Et ouais, j'ai hâte de voir. Et d'ici là, vous allez aller au cinéma, parce que c'est la première fois que vous venez à Saint-Jean-de-Luz, je pense. Oui. Hein. Donc, vous découvrez ce festival en tant que spectatrice, en attendant d'être une actrice. voilà, quel plaisir que vous avez à être là. Moi, je trouve ça génial, surtout que comme ma mère est présidente du jury, je suis énormément avec le jury et ma mère, et j'adore les entendre parler, participer au débat. Puis c'est une chance incroyable de voir tous ces films comme ça. Enfin, je trouve ça magique. Merci beaucoup et merci bon festival. Merci beaucoup. Merci.